الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخواني الكرام لازلنا مع محطات في القرآن الكريم Nous sommes toujours en station avec le noble Coran. Le noble Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur le prophète, bien sûr, mais surtout pour nous. Pour nous donner quoi ? Le chemin à suivre. Pour nous donner la lumière à suivre, la lumière dans notre chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout notre problème, ayyuha al-ikhwa, c'est quoi ? Comme l'a dit Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim dit, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran pour qu'on le mette en pratique. Le problème, c'est que nous avons fait de sa lecture une pratique. Et ça, c'est problématique. Parce que quand on fait Shahr Ramadan ala al-Abwab, quand on fait Salat al-Tarawih, on cherche un imam qui récite bien. Et mashallah, bien sûr, parce que le Coran, il a quelque chose qui touche l'âme. Vous avez quelqu'un qui n'est pas musulman. Mais quand il écoute le Coran, le ton qu'il y a dans le Coran, il touche l'âme. Donc il y a des gens qui commencent à pleurer sans savoir pourquoi. Parce qu'il a touché simplement son âme. Nous, on recherche ça quand on va chercher un imam qui récite bien le Coran. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit surtout, écoutez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Essayez de comprendre, essayez de mettre en pratique. Aujourd'hui, inshallah, bi'idhnillah, nous avons prévu trois stations pour le Coran. Trois stations sur le Coran. La première, et on commence par ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, c'est quelque chose de récurrent qu'on a répété plusieurs fois, il descend sur lui surat Iqra, donc la science, le savoir. Après surat Iqra, surat al-Qalam. Il y a surat al-Fatiha aussi. Surat al-Qalam, c'est, il faut planifier, il faut noter, sinon le savoir, tu ne peux pas l'acquérir comme ça. Et le savoir, c'est important. Parce que quand tu ne sais pas, quand on ne sait pas, on fait n'importe quoi. Et quand vous prenez un appareil chez vous et que vous n'êtes pas spécialiste, vous n'êtes pas ingénieur, vous êtes juste un bricoleur, que vous n'avez pas de savoir, vous cassez l'appareil s'il est en panne. Ben, notre vie, c'est... On a besoin de la notice qu'a fait qui ? Le Créateur. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait comment on fonctionne. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, l'ilm, après la planification et la notification, le muzammil. Muzammil, c'est le lien avec Allah, s'abreuver de l'énergie divine. Et juste après ça, quand vous avez acquis ces connaissances, quand vous avez bien planifié votre travail, votre projet, quand vous êtes abreuvé de la puissance divine et de l'énergie divine, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, « Ya ayyuha al-mudathir, qum fa'andir, wa rabbaka fa'kabbir, wa thiyabaka fa'tahir, wa rizza fa'hjur, wa la tamnun tastakthir. » Petite citation sur ces ayats, ayyuha al-ikhwa. Il parle au prophète, al-mudathir, celui qui a demandé à Khadija de le couvrir parce qu'il a subi, c'est un événement extraordinaire qui vient de subir le prophète. Allah subhanahu wa ta'ala dit maintenant, lève-toi, qum. Tu ne peux pas te lever, frère ou sœur. Tu ne peux pas te lever si ça ne se lève pas, si le cœur ne se lève pas. Et tout le problème chez nous aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on a fait de notre religion toqos, rituel. On rentre à la mosquée, on fait la prière, on sort, c'est autre chose. C'est un autre monde. Et d'ailleurs, on l'appelle religion. Que dit la religion, les questions qui nous arrivent, que dit la religion sur ça? Toute ta vie, c'est religion. La présomption d'innocence, c'est l'islam qui l'a instauré. Haqq al-shuf'a, le droit de présomption, c'est l'islam qui l'a instauré. Les règles juridiques que vous trouvez tout le temps aujourd'hui dans le droit civil, tout ça, ça a été inspiré de l'islam. L'islam, c'est toute notre vie.
C'est pas seulement le vinaigre d'alcool. C'est pas ça, l'islam. L'islam, c'est tout notre vie. Et nous allons voir ça dans la troisième station, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète, toi qui es enveloppé, maintenant c'est fini le temps de dormir. Lève-toi. Lève-toi et avertis les gens. Tu les avertis de quoi? Qu'il y a le Jannah al-Nar, qu'il y a un paradis, un enfer. Et qui seront rétribués de ce qu'ils ont fait. Fid dunya. Appelle les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, لَعَلَّكَ بَاخِرٌ نَفْسَكَ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ حَسَرَاتَ عَلَيْهِمْ. Le prophète, il a fait le voyage nocturne. Et dans le voyage nocturne, il a vu des choses, ce qui nous attend dans l'au-delà. Quand le prophète, il revient sur terre, son seul souci, c'était d'amener les gens au paradis. Et donc, quand les gens le frappaient ou l'insultaient, Ya Allah, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qui les attend. Alors regardez ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal mudathir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Un palindrome. Rabbaka fakabbir, ça se lit dans les deux sens. Quand vous la lisez en français, ça n'a pas le même impact. Mais pourquoi Allah il dit au prophète Rabbaka fakabbir? Pourquoi il lui dit ça? Parce que quand tu commences à avertir les gens, sache que tu vas avoir de l'adversité, qu'on va te repousser, qu'on va t'insulter, qu'on va te mettre par terre. Allah, il lui dit, « Rabbaka fakabbir, ton Seigneur, le plus grand des seigneurs, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. N'aie peur de personne, mais Allah au-dessus de tout le monde. Si celui-là, il te fait peur, Allah est au-dessus de lui. Rabbaka fakabbir. » Rappelle-toi de la grandeur d'Allah. C'est ce qu'il lui dit. Que le chemin que tu vas suivre va être difficile. Mais il lui dit, Rabbaka fakabbir. Glorifie Allah. Allah est grand et n'aie pas peur. Wallahu ya'asimuka minan nas. Comme ça il dit au prophète. Allah il te protège des gens. Ne t'inquiète pas. Allah est là. Il voit tout. Il dit à Moussa wa Haroun, inni ma'akuma asma'u wa ara. Il dit à Moussa wa Haroun, je suis avec vous, j'écoute, j'entends. Et je vois, ne vous inquiétez pas, Allah est là. N'oubliez pas ça. C'est ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala au prophète dans les premiers versets. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir. Thiyab, ici, on dit que l'arabe disait thiyab, c'est quoi? C'est nafs. Purifie ton âme. Travaille. Travaille et purifie ton âme. Travaille ton lien avec Allah. Ne fais pas le contraire de ce que tu dis. C'est très important. Wa thiyabaka fatahir wa ridz. Ridz ici, c'est shirk. N'associe rien avec Allah. Ne donne pas le choix parce que tu peux rentrer dans l'association. N'associe rien à Allah. Ne pense pas que celui qui détient un pouvoir, il peut être à la place d'Allah. N'associe rien à Allah. Mets Allah au-dessus de tout. Et après, il lui dit quoi? وَلَا تَمْنُونَ تَسْتَكْثِرُ. En français, la traduction, elle est « ne donne pas pour recevoir ». On ne le donne pas en disant « oui, j'ai donné, j'ai fait, j'ai fait ». Vous discutez avec des gens, j'ai discuté avec des gens la semaine dernière. J'ai dit, pourquoi tu ne travailles pas à la mosquée? Pourquoi tu as, avec le talent que tu as, le savoir que tu as, frère? Il me dit, c'est bon, j'ai donné pendant 20 ans, ça suffit. Ça ne suffit pas, frère. Ça suffit quand? Quand tu t'arrêtes chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Toute notre vie, « Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqiyah. » Tu t'efforces, tu marches vers qui? Vers Allah. Ne dis pas, ça suffit. Pourquoi ça suffit? Il y a un ikhlas. Moi, j'ai prié, alhamdoulilah, 20 ans, je vais m'arrêter. Non. C'est pas ce que nous demande Allah. Pourquoi? Le repos, il est chez lui. Donc ici, c'est une vie de lutte. C'est une vie de lutte tout le temps. Donc quand tu commences à savoir qu'Allah, il est plus grand que tout, quand tu commences à savoir qu'Allah, il te fait passer par des épreuves, quand tu commences à connaître les paradigmes qu'il y a dans le Coran, les concepts qu'il y a dans le Coran, tu t'apaises. Première chose. Ça, c'est la première station, ayyuhal ikhwa. Deuxième station que je voulais partager avec vous. Fais sur le Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte les péripéties de Yusuf alayhi salam. Et sur le Yusuf, les savants nous disent, il y a à peu près 1000 sagesses dans sur le Yusuf. Vous ne pouvez pas imaginer. La sourate commence par un rêve. Le rêve, c'est quoi? Est-ce que chacun de nous a un rêve dans sa vie? C'est quoi? Est-ce qu'on a planifié, on a fait un plan pour notre vie? Premièrement. Ensuite, on voit Yusuf, qui est très aimé par son père, qui est détesté par ses frères. Donc celui qui te déteste ou qui te jalouse, c'est qui? Ce sont les gens qui sont proches de toi. Hein? Pas ceux qui ne te connaissent pas. Ceux qui te jalousent,
souvent les gens qui sont autour de toi, et c'est ses frères qui vont le jeter dans le puits. Bon, aimé par son père, pardon, jalousé par ses frères, jeté dans le puits. Une caravane le récupère. Regardez bien. Une caravane le récupère. وَشَرَوْهُ بِثَمَنِنْ بَخْسِ Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ils l'ont vendu pour un prix vil. Yani, quelques sous, ils ont vendu qui ? Le prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils de prophète. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que toi, frère, ou toi, sœur, tu peux avoir une station, inchallah, très élevée. Mais les humains ne connaissent pas ta valeur. Donc ne cherche pas l'agrément des humains. Parce que les humains, ils peuvent t'insulter, ils peuvent dire des choses sur toi, ils peuvent faire le mal. C'est dans la nature humaine de faire le mal. Mais cherche l'agrément d'Allah. Et quand tu as l'agrément d'Allah, ne t'inquiète pas. Parce que Allah, regardez bien, Allah est subtil, Allah est latif. Et regardez ce qui va se passer. Il va se retrouver dans le palais. Le palais, c'est son école et son université. C'est là où il va apprendre la politique. C'est là où il va apprendre la gestion de l'État, la gestion de la cité. Parce qu'il est dans le palais de qui ? D'Aziz ou Misr. Il est dans le palais d'un ministre ou de quelqu'un qui est proche du roi. Mais les tentations ne s'arrêtent pas. Il y a la tentation de la femme avec qui il vit. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il va rentrer en prison injustement. Vous imaginez ? Combien de gens sont injustement emprisonnés aujourd'hui ? Combien de gens on a tués injustement aujourd'hui ? Est-ce que ça veut dire qu'Allah les a laissés ? Jamais. Mais alors regardez, il va sortir de prison. Et quand il sort de prison, Allah ne fait pas venir une armée. Qu'est-ce qui fait venir Allah ? Il fait venir un rêve. Par un rêve, Youssouf il sort de prison. Et quand ses parents, quand ses frères reviennent vers lui, l'histoire vous la connaissez, j'abrège bien sûr, il ramène ses parents, وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a levé ses parents et les a mis sur le trône. Mais قال Allah, il n'a pas dit وَالِدَيْهِ, il a dit أَبَوَيْهِ. Pourquoi Allah il a dit أَبَوَيْهِ ? لَأَنَّ الْوَالِدَيْنِ, quand on lui dit الْوَالِدَيْنِ, le sens va vers celle qui met au monde. Qui met au monde ? C'est la mère. Al-Walida. Et là, il a dit Abawain, c'est le père. Pourquoi il a dit Abawain ? Parce que la femme qui était avec Yaqub, ce n'était pas sa mère, barakallahu fikou. Ce n'était pas la mère de Youssouf. C'était une autre femme. Donc il a dit Abawain, Allah subhanahu wa ta'ala. Subtil le Coran. Mais il dit une phrase qui est magnifique. Il dit Inna Rabbi Latifun Lima Yasha. Quand vous regardez la traduction, on vous dit « Allah est plein de miséricorde et plein de bonté ». La traduction, ce n'est pas ça. Non. Allah subhanahu wa ta'ala est subtil dans ses commandements. Fait sur Youssouf, justement, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wallahu ghalibun ala amrihi, walakin akthar an-nasi la ya'lamun ». Allah, ghalibun ala amrihi, mais beaucoup de gens ne savent pas. Allah, quand il décide quelque chose, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Et ça va arriver avec subtilité. Par les moyens que tu ne t'imagines pas. Allah, il te ramène un risque par les moyens que tu ne t'imagines pas. Allah, subhanahu wa ta'ala, il sort Youssouf de prison par les moyens que toi, tu n'imagines même pas. C'est le roi qui fait un rêve et l'interprétation du rêve, elle est en prison. Et c'est comme ça qu'il sort de prison. Et c'est comme ça, Allah, il le met quoi ? Le deuxième homme de l'État. Allah, il peut t'élever sans que toi, tu saches. Et sur le Kahf, quand il remet le muret, Al-Khidar wa Musa alayhi salam, il remet le muret. Wa amma al-jidar fa kana li ghulamayn yatimayn fi al-Madina. Le petit muret, il appartenait à deux orphelins qui habitaient fi al-Madina. Donc au départ, il dit al-Qarya parce qu'ils étaient tous mauvais, ils les ont pas accueillis. Mais quand il a parlé de l'homme salih, il a dit Madina. Elle est devenue plus civile. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا On vous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le Khidr et Moussa pour remettre le muret à l'endroit, alors que le muret, يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضُ Il a une volonté, il voulait tomber, mais il va le remettre. Les orphelins sont chez eux. Ils n'ont rien demandé. Allah, il s'occupe d'eux. Sois allié d'Allah. Ne pensez pas que allié d'Allah, tu vas faire la prière toute la nuit. C'est pas ça. C'est pas ça du tout.
Allié d'Allah, reste sur la fitra. Fais ce qu'Allah te demande. Sois et un cœur sain, un cœur. Voyez, c'est quelqu'un il te dit salam alaykoum, réponds-lui. Quelqu'un il te dit pas, dis-lui toi. Mais ne l'insulte pas. Parce que le prophète, il n'a jamais insulté personne. Et si on veut faire la sunna du prophète, c'est ça la sunna du prophète. Vous voyez ? Inna rabbi latifun lima yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, il ramène des choses par là où tu ne t'attends pas. Latif, c'est ça. Il est subtil, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors regardez. La troisième station, et si j'ai encore 5 minutes, je jouerai une quatrième. La troisième station, c'est laquelle ? Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes. وَنَزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes. Et nous avons descendu avec eux quoi ? Le livre et la balance. Beaucoup de gens nous disent l'islam, on va faire la paix, manifestation pour la paix. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y aura jamais de paix sur terre s'il n'y a pas de justice. Il n'y aura pas de paix sur terre s'il n'y a pas de justice. Allah subhanahu wa ta'ala dit pour que les gens mettent en pratique quoi ? L'équité, l'égalité, la justice sur terre. Regardez l'ayat qui vient après. Allah subhanahu wa ta'ala dit fihi ba'sun shadidun wa manafi'un linnas. Et nous avons descendu le fer qui a une force redoutable, mais aussi des bienfaits pour les gens. Quand on construit, s'il n'y a pas de fer, la maison ne tient pas. Le béton armé, on appelle ça. Premièrement, Allah dit « Anzanna ». C'est-à-dire que le fer, c'est une météorite, ça vient de l'univers, ce n'est pas quelque chose qui se retrouve dans la couche terrestre. Ce n'est pas quelque chose. Donc ça vient du ciel. « Anzanna », Allah subhanahu wa ta'ala dit « Anzanna ». Et vous savez, quand vous manquez de fer, vous allez manger des aliments, mais comme quelqu'un il manque beaucoup de fer, vous savez qu'est-ce qu'on doit lui faire ? Une transfusion sanguine. Parce que le corps, il ne peut pas absorber. Donc on a besoin de... Regardez la nécessité du fer. La quantité de fer, elle est infinitésimale peut-être dans le corps, mais on en a besoin. Que disent les ulama sur cette ayah ? Les ulama, ils nous disent, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. Il a envoyé le kitab. Pourquoi ? Pour qu'il y ait une justice et une équité sur terre. Si on n'applique pas la justice et l'équité, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le fer. Le fer, ça a deux sens. Le premier sens, s'il n'y a pas de justice, il y a la guerre. Il n'y a pas de justice, il y a la guerre. Ne vous inquiétez pas. Autrement dit, dans une société qui est bien planifiée, qui est bien gérée, qu'est-ce qui se passe ? Si quelqu'un transgresse, il y a le fer, c'est-à-dire le châtiment. Qu'est-ce que ça veut dire transgresser ? Et c'est ça qu'il faut qu'on remette, nous, en paradigme dans notre tête. Savez-vous que si je grille la priorité à quelqu'un, eh bien, faqad ta'addaytu alayh. Si je grille la priorité à quelqu'un dans un feu rouge, dans un stop, j'ai pris son droit. C'est ça, l'islam. Si je grille la priorité, j'ai pris son droit. Où est-ce que les gens conduisent bien ? Est-ce que dans un pays musulman ou dans des pays où les gens sont non-musulmans ? Les gens sont musulmans, mais ils mangent à la choix. Il n'a rien compris à ce qu'il y a dans le Coran. Il n'a rien compris. Donc il vient faire la prière, mais salatuhu, elle fait quoi ? Rien. Ah. Souvenez-vous, l'ayat tout à l'heure, « Inna rabbi latifun lima yasha. » Allah est subtil. Il fait venir les choses par là où vous attendez pas. Et vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sans le faire, il n'y a pas de justice. Je crois que c'est Pascal qui disait, la justice sans la force est impuissante. Mais la force sans la justice, c'est une tyrannie, barakallahu fik. C'est une tyrannie. Quand la justice, elle décide, il faut les forces de loi. Il faut que la police applique ce que la justice a décrété. Subtilité. Tous les musulmans dorment. Un pays, entre guillemets, non musulman, qui voit un génocide, il lève une plainte au tribunal international. Et le tribunal international accepte de regarder le dossier. Pourquoi ?
D'abord, parce que ces gens-là qui ont levé la plainte, ils ont subi, eux, la tyrannie. Ils ont été déchirés, massacrés par quoi ? Par les armes de l'État qui exerce aujourd'hui le génocide sur les Palestiniens. Allah est subtil. Vous, musulmans, vous dormez ? Pas de problème. Allah, il ramène des gens. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Si vous, vous dormez, Allah, il ramène des gens qui vont repousser le mal, qui vont essayer de faire régner la justice. Vous voyez la subtilité d'Allah ? Il y a des pays musulmans, des professeurs m'ont raconté, sont allés dans un musée en Égypte. On leur a dit, ok, vous avez une classe d'universitaires, vous êtes une vingtaine, d'accord. Pas de kéfir dans le sac, pas de drapeau palestinien. Musulmans. À travers l'histoire, l'Égypte est toujours liée à la Palestine. Toujours. Depuis Youssouf. Toujours liée à la Palestine. Aujourd'hui, tu as un kéfir, tu peux aller en prison. Tu as un drapeau, tu peux aller en prison. Les gens qui manifestent à Waf al-Gharbiya, en Cisjordanie, ils sont matraqués par qui ? Par la police palestinienne. Inna Rabbi latifun lima yasha. Et aujourd'hui, le tribunal international a dit « Ok, on va examiner le dossier. On accepte la demande parce que les éléments qui nous ont été donnés sont recevables. Donc on accepte. Mais on revient à la même chose. Même s'il y a une justice, sans la force, on ne peut pas appliquer la justice. S'il n'y a pas des pays qui se lèvent, il dit maintenant « Il y a un génocide, des gens qui sont en train de mourir. Si nous, on ne se lève pas en disant que c'est un génocide. » Qu'est-ce qui se passe ? Ben, il n'y a rien. Voyez ? Vous voyez la succession ? Fait le Coran ? Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit latif, quand Allah dit au prophète « Wa rabbaka fakabbir » n'aie peur de personne. Pourquoi l'être humain, il a peur ? Il a peur parce qu'il a des intérêts. On n'a pas le temps aujourd'hui. Dans un prochain prêche, incha'Allah, on va faire une petite étude sur surah ayat al-Quran où Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre que l'izza lillahi jamia, que ce dont nous avons peur, c'est parce que shaitan, il est tout le temps karine. Vous savez, nuqayyid lahu, wa man ya'ishu an dhikri ar-rahman, nuqayyid lahu shaitan, fa huwa lahu karine. Vous savez que ça veut dire, nuqayyid, celui qui se dévie des paroles divines, qui se dévie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit et nous demande de faire. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous allons lui donner un shaitan. Nuqayyid. Vous savez ce que ça veut dire nuqayyid ? Vous avez vu l'œuf ? La coquille d'œuf, comment elle colle à l'œuf quand vous faites des œufs durs. Quand vous faites des œufs durs. Vous avez vu la coquille, comment elle colle ? C'est ça, shaitan. Or, shaitan, il est parmi nous tout le temps, mais on ne se rend pas compte. Et on l'oublie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna shaitana lakum adou, fattakhidhuhu adouwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. » Cette ayah, incha'Allah, on va la méditer, incha'Allah, dans un autre prêche. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu yaghfir lakum, innahu al-ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuha al-ikhwa, comme tous les vendredis, on ne peut pas oublier nos frères qui sont en train de souffrir. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma kun ma'ahum wa la takun 'alayhim. Allahumma irham man tahum wa shfi mardahum. وداوي وداوي جراحهم يا رب العالمين وارفع عنهم الضر يا رب العالمين ولاقهم بنا في جنة الرضوان يا رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم